bien bonjour les gens, c'est Punti. On se retrouve pour l'épisode 3 de Ant Farm Survival. Je vous avais laissé la dernière fois où j'avais failli mourir avec les araignées, du coup on va y retourner pour explorer un petit peu. Ok, c'était par là. Donc. J'entends des poules, je sais pas si c'est les miennes ou pas. J'ai fait tomber une poule tout à l'heure. La redstone. Alors, par où on était descendu? Par là. Bonjour petit poulet. Tant que ça passe pas trop tard. Ok, je regarde pas. Alors là, il y a du sable. Faut que je fasse du verre. Ok. Les mobs sont de l'autre côté du mur, donc c'est cool. J'aimerais bien les tuer, eux, parce que... J'aime pas les Enderman. Ok, donc ça c'est où on était tout à l'heure. Il y avait un passage ici qui donnait sur le champignon. Du coup, hop. On va le récupérer. Par contre, ouais, dans mes souvenirs, ça spawn dessus en fait. Voilà, comme là. Ouh! Ah! Bonjour! C'est pas moi. Ok, bon, il a un peu pété là, donc ça va. C'est pas méchant. Par contre, ouais, si tu pouvais me donner des champignons, ça serait bien parce que... Putain, j'en ai aucun, quoi, sérieusement. Il y a une witch là-haut. Ça me troll là. C'est bon. Oh, putain, j'ai eu peur. Je croyais que j'allais pas en avoir. Par contre, faut que j'en fasse pousser. Je crois qu'il me faut du mycélium, hein. Il me semble bien. Ok, donc les champignons, c'est bon. Parce que si j'essaye, genre, de planter là. Ah, mais si, ça marche. Bon. Bah, on le fera en surface. D'accord, là. On le fera en surface, comme ça. Alors là, il y a encore des araignées. Quoique, je sais pas si ça pousse en surface, les champignons. J'ai un doute. Bonjour. Ok, vous êtes là. Allez, montez. C'est des araignées qui empoisonnent ou pas? Je sais pas du coup. Un peu de lumière.
Salope! Pardon. Ok, donc ça vient de par là. Il y en a encore une en dessous. Le spawner est en haut, hein, je crois. Je vais régène par contre parce que là. J'ai vu un trou ici. Il doit être là. Ouais, il est là, tu vois. Enfin, vous voyez, tu vois. Non! Je refuse de mourir. Je ferme 2 secondes. Ok. Donc, encore du fer. Donc c'est cool. Je pense que... Enfin, j'espère que c'est pour ce stuff. Ok. Alors. Il y a des chemins partout. On se trouverait... On se retrouve... On a... Ah! Je sais plus parler, au secours! On se croirait dans une fourmilière. Lololol, tout ça pour faire une blague de merde. GG Punti. Oui, je viens de chercher. J'aime pas laisser des mobs comme ça. Je veux pas que tu te sentes délaissé. Eh bien. Voilà. Alors. Trop stylé. Il faut que je fasse du verre. Donc, je prends du sable. Faut que je fasse une maison aussi. Super. Ça va être une maison très simplissime. Genre 4 murs et une porte. Et des fenêtres. Voilà. Parce que je suis pas du tout, du tout, du tout, du tout bonne en construction. Du coup, ça sera vraiment de la maison vite fait. Alors, je vais essayer de trouver ces... Je prendrai la redstone plus tard parce que j'ai pas la pioche. Je vais essayer de trouver ces squelettes. Comme ça, on aura fait un côté du truc. Vous croyez que c'est là-haut? On va monter un petit peu. Donc jusque-là, c'était des spawners à araignées. Du moins j'espère. Enfin, à part le spawner d'Enderman. On s'approche. Ça doit être quelque part par là. Bonjour! Aïe. Genre tu m'as eu. Mais meurs! Bonjour, y a quelqu'un? Salut. Je vais reprendre ma torche. Parce que clairement, faut économiser. Alors. Vous êtes où? Vous êtes par là? Il fait jour dehors. Ouais, parce qu'il crame en fait, c'est là-haut.
Alors attendez. On va remonter. Je la gêne un peu quand même. Ok, on va remonter parce que c'est clairement en haut. Bonjour. Ok. J'étais coincée dans le bloc, tranquille. Allez, j'avais pas été en dessous. Ça clairement ça pue. Non, pas du tout. Du coup je vois. Je vais voir ce qu'il y a en dessous. S'il y a un truc ou pas. Non, c'est que du sable. Ok. Bon, on sait qu'il y a une zone de sable tout en dessous. J'entends rien, donc je suppose qu'il n'y a rien. Où est la sortie? Elle est là. Non, pas du tout. Je me suis paumée. Bonjour. Elle est là la sortie. Je t'ai vu toi. Je vais pas énerver l'Enderman. Du coup j'ai plus de torches. C'est pas cool. Vous sortez d'où, sérieux? Bon, j'entends encore des mobs, mais je vais sécuriser les champis et tout parce que ça me ferait chier de les perdre. Clairement. La sortie, c'est par là, ok. J'aurais dû faire reproduire les moutons. Parce que je peux jamais passer la nuit et c'est vrai que c'est chiant. Ah! On a de la pastèque qui a poussé, c'est cool. Hop là! Voilà. Du coup, on va retransformer. On va dire le champ quand même. Désolée. Il y a un zombie qui va me tomber sur la tronche. Du coup, tac, là-bas. Bon, je vais faire pousser la carotte, mais je sais pas si ça va être très utile. Ouais, faut vraiment que j'aille voir par là. Parce que ça spawn, ça spawn, ça spawn, ça spawn, ça spawn. Hop là. À chaque fois, j'ai des zombies qui viennent me dire bonjour et tout. Du coup, je suppose. Alors, on sécurise. On sécurise. Le sable, la terre, c'est bon. Le blé. J'ai pas assez encore pour me faire. Enfin, j'ai assez pour me faire un pain, mais. On va attendre. J'ai ça qu'à pousser. Qu'à pousser n'importe quoi. Hop, j'ai du bois. Tac. Oui, je t'entends. Hop. Charbon, c'est toujours bon à prendre pour les torches. Maintenant qu'on commence à avoir un peu de... je vais me refaire une épée. Je vais faire cuire le fer. Qu'est-ce qu'on se fait? Il y en a 7.
il y en a 7, il y en a 7. 3, 4, 5. J'ai une source infinie à faire. Je ne sais pas du coup. Est-ce que je me fais un seau ou est-ce que je me fais une pioche et une épée? Parce que j'ai deux sources d'eau. J'ai la source d'eau où il y a mon champ et j'en ai une autre là-bas. Alors est-ce que ça vaudrait le coup de faire... Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Bon, en attendant de réfléchir, je vous propose, donc il reste 5 minutes. On va aller essayer de trouver les zombies. Oups, bonjour. D'accord. Très bien. Je t'ai vu le creeper. What the fuck? Alors attendez. Merde. Ok, j'ai récupéré. C'est pas cool. J'aurais pas pu avoir une patate... T'es où? J'aurais pas pu avoir une patate pas cuite. Ça aurait été vachement cool. Bonjour. Je suis où ici là? Ok. Parce que... Je vais éclairer un peu quand même. Ça aurait été tellement bien. Alors... Les zombies viennent de par là, mais est-ce que c'est... On va sécuriser un peu ici parce que ça pue. Est-ce que c'est du spawn naturel ou... Je ne sais pas. On va essayer de suivre les grognements, s'il y en a, parce que pour l'instant il n'y en a plus. Ah non mais clairement je suis deg là. Donc là c'est où il y a mes poules. Enfin j'entends mes animaux quoi. Purée, tu m'as fait peur. Robert numéro 2. Parce que je vous rappelle, la une est morte lamentablement. Bah donc en fait ça devait être du spawn naturel parce que... Ok. J'ai pas de... Ok, donc... Bien sûr. Bravo, Punchy. Je commence à avoir plein de pouces. Donc ça, c'est cool. Sauf qu'il y en a qui sont un peu feignants hein, pour pousser, quand même. Alors. On va les sécuriser. La patate, ouais, la patate, franchement, ça me fait chier. Pourquoi elle est comme ça? Non, je vais garder l'arc quand même. Je suis une merde à l'arc, mais... ça peut toujours sauver la vie. Du coup, bonjour l'araignée. Ok, donc une fois les pastèques, ça c'est cool parce que... Une fois qu'elles sont faites, c'est bon. Merde. Bien sûr, si je fais ça. Du coup, je vais aider à pousser celui-là, voilà. Ok. On va commencer à avoir de la nourriture, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Très bonne question. Que je me pose à moi-même. Voilà.
Je sais pas du tout où aller la prochaine fois. Ah, alors attendez. Je suis en train de regarder ma liste. Et je dois crafter un arc. Donc autant réaliser des petits trucs comme ça. Voilà. Donc j'en avais déjà un, mais bon. Donc crafter un arc, c'est fait. Donc je barre mon petit truc. Ok, il faut faire des outils en fer. Donc j'ai le fer ici, mais ça me fait chier de faire des outils avec en fait. J'espère qu'on va en retrouver. Et puis on cherchera dans ce cas-là. Hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Ok, j'ai une boussole. J'ai pas compté les mobs, les spawners. En comptant celui des Enderman, ça fait 9, donc c'est cool. Est-ce que je peux crafter la TNT? Donc non, j'en ai que 3. Il m'en manque une. J'ai une TNT à faire. J'ai du verre aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire vite fait? Alors, le champ de pastèque, on peut dire que c'est validé. Hop, donc pastèque et blé, c'est fait. un, deux, trois, quatre, cinq pour la TNT. Hop. Et ça, on peut le faire chauffer. Ok. Faut que je fasse un saut. Vous savez quoi? Je vais faire le saut. Voilà. Donc, le saut c'est fait. Du coup, faudrait faire rapidement une source d'eau infinie. Donc, je vais le faire et après on va se laisser là. Je vais pas prendre celui-là pour l'instant. J'ai vu qu'il y en avait un autre plus loin. Est-ce que je l'ai exploré ça? Oui, c'est où il y avait le champignon. Ouah, c'est quoi tous ces animaux? C'est cool, ça a l'air de spawner en fait, naturellement. Bah moi je propose qu'on aille explorer ce côté-là, au prochain épisode. Ça me paraît bien. Du coup, non, c'est pas par là. J'avais deux sources d'eau. What the fuck? Ok. Ok. Ça y était pas tout à l'heure. Oh putain, les mobs. Ou alors je suis bigleuse. Là, clairement, il y a un spawner, hein, parce que... Ouais, bon, je sais pas. On ira, comme on a exploré tout le côté par là. On ira explorer de l'autre côté. Je prendrai la pastèque après. Je veux trouver cette source d'eau. Ok, les arbres ont poussé, donc ça va Ah, elle est tout en bas. Ok, je vais la chercher vite fait. Faire avec vous la... Ok, la source d'eau. Oh, t'es en colère, je t'ai à peine regardé. Il va me tuer. Il est vénère. Salut! Oui, encore des zombies, hein, on les entend. Ok.
Donc. What? Je suis pas montée par là tout à l'heure? Ok, bon. Allez! L'épisode va être un petit peu long, mais c'est pas grave. Où je la fais? Clairement, j'aimerais bien faire ma maison du côté du spawn, en fait. Ouais. Bonjour les arbres. Ouais, genre ma maison là. Où je peux faire la source d'eau. Merde, là c'est pour monter. Je vais plutôt la faire genre là. Ça gêne pas trop ma maison. Hop. Donc faut que je prenne vite fait l'eau du champ, donc j'espère que ça va pas tout péter. J'ai tellement cru que j'allais tomber. Alors. Je me suis trompée de côté! Vite, vite, vite. Je sais pas ce que ça fait s'il y a plus d'eau. Je crois que ça saute, hein. Ok. Source d'eau infinie, faite. Vite. Hop là. Ok, nice. Ok, donc c'est cool. On aura fait quelques petits... Et bien d'accord qu'on a été voir, il n'y avait rien. Va falloir que je m'amuse à creuser dans tous les trucs. Hop là, voilà. Ok, donc on va se laisser là. J'espère que ce troisième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à la partager. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Faites des bébés.